Vous le savez, à la campagne, les saisons, c'est important. Eh bien, nous, nous allons en vivre ensemble la saison 2 de Champs-Libres, loin des villes, c'est revendiqué, c'est comme ça que ça se passe, Yonamoumen, le mag culturel de la Nouvelle-Aquitaine, mais à la campagne euh, que nous diffusons sur, euh, sur TV7. La nouvelle saison est lancée. On va reparler dans, dans un instant. Pour parler également, bien évidemment, de la culture en milieu euh, rural, nous avons avec nous Nathalie Lanzi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge notamment de la culture. Et nous verrons la culture en Nouvelle-Aquitaine. C'est important. Il faut euh, en parler. C'est ce que fait Champs Libres. Avec nous euh, également Nicolas Espitalier, le mag sud-ouest, qui travaille justement avec Champs Libres et qui propose un petit peu de regard croisé sur quelques-uns des événements, comme par exemple, et c'est bien fait, euh, le, euh, dans le nouvel épisode de Champs-Libre, il y a un orchestre assez, assez étonnant du, du côté de, de Créon, le, le Josem. On va en parler dans un instant et le, le chef du Josem est avec, est avec nous, euh, preuve que l'on peut faire de la bonne musique, dans la bonne ambiance, sans forcément être dans euh, le centre de, de Bordeaux. Sonia Moumen, rapidement, en quelques mots, Champs-Libre, c'est quoi Alors, Champs-Libre, c'est un magazine qui dure 26 minutes et qui euh, vise à, à montrer la dynamique, l'innovation artistique et culturelle en milieu rural. On est parti de, de l'idée qu'il y avait euh, foison euh, d'événements, de lieux, d'initiatives privées, publiques, associatives, parapubliques et qu'elles étaient peu connues. Alors, nous, on va vraiment dans les Villages et dans les petites villes de moins de 5000 habitants, et on va repérer ce qui se fait de mieux artistiquement, socialement, culturellement. Et ce 26 minutes raconte à chaque fois en six sujets ce que peut être une culture vivante d'aujourd'hui. La saison 2, c'est donc qu'il euh, se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, quelques, quelques éléments de ce qu'on trouve dans le premier numéro de cette, de cette saison. On se balade pas mal hein, en haute Vienne, on va, on va aussi dans le marais Poitvin. Euh, donc il se passe beaucoup de choses. Et alors, il y a des initiatives publiques, mais aussi des initiatives privées, comme, comme cette espèce de, de, de château absolument improbable où on retrouve des, des designers, enfin des, des, des gens absolument extraordinaires perdu au milieu de la campagne. Alors ça, c'est euh, bah, euh, euh, le domaine de, de Bois-Bûcher Bois ouais. en Charente, euh, qui est une, la propriété d'un aristocrate allemand qui a acheté ce château en ruine euh, il y a une, pas mal d'années maintenant. Une trentaine d'années. Et qui est un passionné de design et d'architecture. Et il a choisi d'ouvrir tous les étés son château et son domaine pour des workshops à destination voilà. d'étudiants internationaux. C'est fabuleux. Et il y a des designers, des architectes du monde entier qui viennent dans ce château. Pour Partager leur expérience, on les voit dans, dans les champs, construire des, des éléments absolument improbables. Euh, voilà. Et ça se passe euh, bah, loin des villes, euh, mais près des champs. Et, et justement, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui est important, c'est ça. Vous avez gardé, vous, euh, à la région Nouvelle-Aquitaine, cette compétence culture. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. Euh, vous qui êtes en charge, justement, de ce vaste dossier culture, quand on a un territoire comme la Nouvelle-Aquitaine, comment on fait pour faire parler, justement, de la culture en milieu rural Challenge, hein. Oui, c'est un sacré défi. J'ai commencé déjà à faire une étude de terrain, parce que j'ai passé mon été à, ouais. à faire l'ensemble des festivals en milieu rural et très rural, pour me rendre compte de l'état des lieux. Et comme vous dites, moi je vais vraiment dans votre sens, c'est qu'il y a foison, il y a de vraies richesses, de vraies pépites sur les territoires très très ruraux. Et la, la commande d'Alain Rousset, c'était justement de, de faire vivre encore plus ces festivals dans les territoires ruraux à partir d'une cartographie qu'on avait. Donc l'objectif, c'était vraiment de continuer de les accompagner et de voir comment cet accompagnement pouvait se faire par, bien sûr, des règlements d'intervention que nous avons votés récemment. Mais surtout, voir comment on peut les accompagner en, au, au terme. Enfin, nous, on est très attachés aux droits culturels. Et il est important que l'ensemble de la population s'en parte, ces festivals. – Quand on euh, vous a dit, ouais, vous, vous allez vous occuper de la, de, de la culture, est-ce que vous aviez conscience de, de ce foisonnement culturel dans les, dans les territoires de, de la région Est-ce que vous-même, vous avez été surprise oui. par, par, par les initiatives multiples et variées Ah oui, j'avais euh, une petite idée de la question, mais oui, comme je ne connaissais pas trop l'Aquitaine, on peut se te dire, et le Limousin, je n'avais pas... Pas estimé, et effectivement, quand j'ai vu cette cartographie, j'ai dit waouh! Donc, c'est pour ça que j'ai passé trois mois quasiment. Et je dis que la culture c'est tout au long de l'année, parce que tout au long de l'année il se passe effectivement des événements, des festivals euh, sur l'ensemble du territoire, en, comme vous dites, sur des lieux fermés, dans des scènes. Euh, et c'était important. Non, je pas estimé, et du coup, euh, ça nous a permis de voir autrement la culture que par le prisme des, des métropoles, enfin, tout au moins de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Justement, ce qui se passe à la campagne, euh, vous aussi, Nicolas Hospitalier, dans le MAC, ça vous intéresse beaucoup, les gens qui s'aiment. Euh, c'est justement toutes ces initiatives qu'on retrouve en milieu oui, rural. Oui. Et, et justement, il y a un partenariat entre, entre, entre vous deux. Ça se passe bien, déjà Oui, ça tout va bien On va dire que ça ouais. se passe bien. Bon, super. <laughs> Je prends son contrôle. <laughs> euh, C'était assez <laughs> naturel et c'est assez ouais. logique que ça se passe bien. Je vais vous dire ce que nous, on fait. Vous allez voir qu'on avait des, des points bah, de, oui, de jonction évidents. Ouais. Donc dans, dans le mag qui est l'hebdomadaire euh, distribué avec le journal Sud-Ouest chaque samedi... On a lancé en octobre 2017, et nous aussi on en est à notre deuxième saison, un dispositif éditorial, rédactionnel qui s'appelait Les gens qui s'aiment, et qui continue de s'appeler Les gens qui s'aiment. Au sens semé, hein Avec un astucieux <laughs> jeu de mots, parce qu'ils ne discutent. Ils pas de pas non plus. Enfin, non, <laughs> on voilà, s'aime la... et on s'aime. On s'aime, on s'aime. Euh, et le, le principe, c'était de, de relever, de mettre en avant euh, sur toute notre zone de diffusion euh, des initiatives positives et inspirantes en milieu rural. Donc là encore, il s'agissait de montrer qu'il n'y avait pas que des choses en ville. Mais pas seulement dans la culture. C'est ce qui nous différencie. Il y a deux choses qui nous différencient. La première, c'est la zone. La zone de diffusion de sud-ouest, c'est une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, c'est euh, l'ancienne Aquitaine plus les deux Charentes. Et puis le champ d'investigation, pour nous, c'était tout. Euh, donc, la culture, mais aussi les transports, euh, comment on se déplace en milieu rural, le, le travail, l'emploi, euh, l'inclusion, beaucoup de sujets, y compris le, le, enfin, la nourriture, la gastronomie. Il y avait beaucoup, beaucoup de sujets. Et on est allé chercher des choses qui étaient toujours euh, collectives, qui étaient ouais. toujours euh, euh, duplicables, inspirantes et qui, euh, pas, pas des festivals euh, one-shot où on fait venir euh, trois têtes d'affiches et le truc dure une semaine ou trois jours et c'est des machines à, à cash, pardon pour... Le, pour, pour dire des, des, des choses comme ça, j'en oh, des y mots y anglais. Voilà, et puis il y a des... Non, là, c'est des choses qui, qui sont ancrées dans le territoire. Alors on va parler évidemment du, du JOSEM d'ici peu, je suppose. Oui, je pense, oui. Puisque ils <laughs> sont chef. Vous avez là. déjà fait l'émission, quoi. Qu Qu'est-ce voilà. qui se passe Et puis nous-mêmes, on y consacre un papier. Donc voilà, là, on s'est dit, on a, des, ouais. on a des points de rencontre entre nos deux dispositifs euh, éditoriaux, les uns par écrit, les autres euh, à l'écran. Et euh, donc tout ce qui, est, euh, qui relève de la culture en milieu rural... Et sur la zone de diffusion de Sud-Ouest, nous est commun. Et donc, on a décidé, à chaque numéro de champ libre, de mettre l'accent sur quelque chose qui est en lien avec le contenu de champ libre. Et justement, et, ça tombe bien. Voilà. Euh, celui qui, justement, euh, fait l'objet euh, de, la... hein, de, 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 de ça, c'est le Josem. Alors, le Josem, preuve quand même que. Alors, vous êtes à peu près. Euh, tous des, 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 des urbains. Et c'est vrai qu'on a quand même tendance beaucoup à regarder ce qui se passe à côté de chez nous, en, en ville. Et écoutez, on est à Créon, c'est à combien de kilomètres de Bordeaux Pff une dizaine, une vingtaine, même pas hein 20, 25 km de Bordeaux. Et il y a un orchestre absolument extraordinaire, le JOSEM, qui justement travaille tout l'année, tous les mercredis, il y a une répétition de l'orchestre, un orchestre de, de jeunes, à tel point d'ailleurs que euh, ceux qui ont 25 ans euh, doivent, doivent quitter cet orchestre, et euh, vous, vous verrez dans le champ libre que pour certaines, c'est très, très euh, douloureux et très compliqué, et euh, ben, tout cet orchestre travaille toute l'année, et organise euh, à Créon, durant l'été, quelques jours, euh, comme ça, un, un magnifique festival avec des, des, des orchestres du, du monde entier et de, et de jeunes et c'est vous, Éloi Tambremonde qui êtes le chef d'orchestre de, 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 du Josem lorsque dans Champs-Libre on entend quelqu'un qui dit bah, moi finalement je suis triste de quitter l'orchestre et qu'on entend aussi dire bah, il y a des gens de Bordeaux, il y a des gens de Libourne qui vont à la campagne pour pouvoir s'éclater avec vous le mercredi soir en, en répétition ça veut dire qu'il se passe vraiment un truc oui, voilà, l'orchestre est né euh, il y a plus de 30 ans maintenant, ouais. et vraiment sur ce secteur de, de l'entre-deux-mers. Et petit à petit... Euh voilà, c'est développer vraiment un réseau de musiciens autour de cet orchestre, et puis euh, une envie de faire partie de, de ce groupe et de partager cet esprit voit, euh, on voit, on lève, avec on, la musique. On en répétition en même temps que vous parlez, allez-y. Et, euh, et aussi voilà de partager une vraie aventure humaine euh, tous ensemble. Et alors là, en plus à, à la fin du concert, vous vous, vous faites euh, vous faites lever les, les, les musiciens, etc. Il y a un côté euh, pas banda, ça faut pas non plus exagérer, mais il y a ce côté jeune, il y a ce côté on se prend pas la tête, on fait de la musique classique, mais, mais on s'éclate, on est bien ensemble et on fait le, on, on fait le, le, un grand concert là au milieu de la place du village, euh, ça va être des moments magiques. Hein oui, on essayait toujours de jouer avec les, les codes de l'orchestre de symphonique. Donc on a bien sûr une base de répertoire classique. Et puis petit à petit, il y, y a des choses qui apparaissent pour que, pour que voilà le public soit aussi emballé et que, que ce soit un vrai spectacle au-delà du concert. Et ça, hum. les, sincèrement, Nicolas oui, oui, je, je veux vous dire parce qu'on a envoyé notre reporter de, de la rive droite qui s'appelle Aude Boilet, qui est venu faire un reportage chez vous, qu'on retrouvera donc samedi dans le mag. Et elle raconte ça, elle est venue voir ce qui se nouait notamment les mercredis soirs. Oui. Bon, elle, elle, elle vous suit depuis longtemps et elle écrit, euh, c'est en les voyant se retrouver chaque mercredi qu'on pense aux valeurs de respect, d'écoute des autres, de partage, de socialisation et de construction individuelle. Et c'est en rien galvaudé, je ne sais pas si vous vous y reconnaissez dans ces mots. Et elle résume assez si bien en une phrase quelque chose qui est tout à fait commun aux gens qui s'aiment à champ libre et je pense au José. Le collectif dépasse chaque individualité. On se sent bien ici, dit une, dit une participante. Vous vous reconnaissez, j'imagine, un oui, peu absolument, dans le. Oui. Déjà, le fonctionnement d'un orchestre symphonique, c'est une somme d'individualités, mais qui sert à un collectif. Euh, pour la musique, bien sûr, le, le résultat musical, mais aussi euh, les échanges entre, entre les, les personnes. Et du coup, le JOSEM, c'est ça, mais x 10, puisqu'on est avec vraiment des jeunes, euh, avec des ados. Et donc tout est plus, <laughs> ouais, est plus est ressenti, plus vivant. Cette ouais. énergie collective, on l'a sentie évidemment très fortement euh, quand on est allé faire nos tournages avec le Josem, mais aussi sur d'autres événements et d'autres festivals. Je pense à un festival euh, au village ouais. qui est tenu par une équipe de bénévoles incroyable. Je pense aussi à Bar Objectif ouais. qui est un ouais. festival autour du photojournalisme. Là encore, un collectif euh, extrêmement soudé depuis 20 ans qui porte du de de photojournalisme de très, très grande qualité dans un village de 300 habitants. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. La solidarité en milieu rural, le fait que les projets existent tient souvent à des initiatives individuelles qui très vite deviennent collectives. Nathalie Landis, c'est ouais. ça peut-être la façon dont on, on fait peut-être de la culture. On fait, c'est pas beau ce terme, ouais. mais euh, si allez, on fait de la culture, ou ouais, on prend de la culture oui. un peu différemment en milieu oui. rural qu'en milieu urbain, justement ouais. par rapport à ce, à ce collectif, par rapport ouais. à ce lien social, ouais. par rapport au fait que bah, on, on est un peu un peu moins seul peut-être à la campagne qu'en ville. Mais je crois que c'est un même. travail qui se fait tout au long de l'année ouais, déjà. Ouais. Donc c'est ce collectif, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se sont connus et qui ont des des diversités sociales aussi c'est ce qu'on y voit dire voilà on est de tous les milieux on fait ensemble de la culture et on fait ensemble son ouais. festival et je vois la répartition vous parlez de parler de gastronomie par exemple au festival au, au village c'est le, 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 les pieds de porc pané voilà la spécialité et c'est c'est pas un traiteur c'est les les, les, les les bénévoles qui ouais. le font alors je parle de gastronomie ils ont lancé effectivement tout un travail autour du mécénat et moi ce que j'y vois c'est que il le mécénat le mécène c'est le boulanger le gardien, les petites entreprises tout autour qui donnent comme elles peuvent avec ce qu'elles ont mais avec le cœur et autour d'un projet et je finirai sur festival au village moi j'y vais surtout pour voir les spectateurs admirer le spectacle c'est à dire oui. que je me dis toujours ils sont arrivés à drainer une population bien au-delà du village qui vient et qui s'installe voilà, et qui se dit je, cette culture elle est pour moi et c'est ça l'intérêt alors c'est ça qui est intéressant aussi et c'est votre fête hein, décidément souvenir moumène euh, c'est ça qui est intéressant dans champ Libre, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on fait de la culture en milieu rural que c'est forcément, pardonnez-moi l'expression, la fête à neuf. Il y a parfois. une grande qualité. Il, non, non, mais justement, c'est effectivement le, le, un Tout peu le prisme fait. par lequel on, on peut imaginer, entre guillemets, la, la, la culture à la campagne, c'est-à-dire euh, le mais, côté un peu folklorique, le béret, machin. Et non, il y a des spectacles très pointus. Très pointu, oui. très innovant, des gens qui sont à la pointe dans oui. leur domaine. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on est, on est allé tourner au Pays Basque avec plusieurs compagnies de théâtre et de théâtre de rue. Nous avons été sidérés par la qualité et l'innovation que ces gens-là produisent. C'est la même chose en design, c'est la même chose en art oui. contemporain, c'est la même chose en, en musique. L'innovation, elle peut être esthétique, elle peut être aussi sociale. Euh, mais je crois que dans les campagnes, il y a des gens qui ont fait le choix de s'y installer, d'y vivre, et notamment beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs, beaucoup de metteurs en scène, de chorégraphes et ces gens-là sont nourris euh, des formes actuelles et pour beaucoup travaillent aussi à l'international. Ça c'est une dimension qui nous a un peu surprise mais beaucoup d'artistes ont des connexions à l'international. Et tourne, donc, à l'international. Le, le projet donc, que nous, tu nous avais fait découvrir l'année dernière. C'était à la Bastide de Clérance, au oui, Pays Basque. C'était euh, une initiative avec une dimension politique, mm -hmm. une dimension culturelle forte. C'était très pointu. Oui. Ça impliquait les habitants. Et ça a eu une résonance très au-delà du village. Oui, C'est typique, de, effectivement, de ce de, qu'on cherche, et de ce qu'on ce qu ce qu raconte. C'est Christophe Hidia, Hospitalité. Un, oui. tour de, un tour de table, rapidement, rapidement, parce qu'on a largement dépassé. Euh, Sonia Moumen, euh, quelques éléments du prochain... Euh Champs libre là encore vous allez faire un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine alors je, je l'ai noté on va aller à Montflanquin on va parler de bande dessinée on va aller à Sarlat enfin bon enfin, encore une fois ça va être Festival du film de Sarlat qui est un festival extrêmement tonique pour les lycéens les jeunes les c'est assez fabuleux ils voient beaucoup de films en avant-première mais surtout ils font des courts métrages Nicolas hospitalier le prochain sujet dans le mag. dans le Mag ce samedi. Ce samedi un, un beau reportage de Haute Boilée à Créon, auprès de oh. Delois ici présent enfin, sur le Josem. Vraiment une sacrée découverte ce, ce, ce Josem. Vous, vous euh, allez faire des tournées internationales hein, parce que c'est un peu le, le souhait que vous avez. C de, vous, cette fois, allez rencontrer d'autres orchestres ailleurs On va, on va rencontrer les, sûrement des orchestres qu'on a, qu a invités cet été. Donc il euh, y a plein de possibilités. Des on n'a plus qu'à prendre les billets. D'accord. <laughs> Sympa! <laughs> Très bien. Et vous, donc, je vous avais euh, des dossiers. Do <laughs> 450 festivals, 6 millions d'euros. Voilà, C'est un budget non négligeable avec des bonus sur les territoires vulnérables. C'est aussi ce qu'on a mis en avant et vraiment la volonté de, de privilégier les territoires ruraux. Je ne dis pas qu'on oublie les villes, mais les villes sont souvent aidées puisqu'on parle de compétences partagées. Donc vraiment, l'accent est mis sur les territoires avec euh, une vraie volonté politique. La culture euh, peut sauver les, les, les campagnes. C'est enfin, un bien grand mot, mais pourquoi pas après tout puis peut, hein peut y contribuer. Voilà. Peut y et contribuer. Voilà. – Très bien, merci beaucoup en tout merci. cas d'être venu nous parler de, de, de champs et Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Régalez-vous avec euh, Sonia Moumen et son, son émission, de la saison 2 est, est lancée. Il se passe des trucs à la campagne, il faut en profiter. Merci. merci – Merci à vous. Merci.